Il passe à la supérette à 9h10. Il prend une bouteille de pin au premier prix, toujours la même, on ne sait rien de lui. Il présente plutôt bien son niveau de stress. C'est une bouteille de pin par jour et de la solitude choisie. Elles passent à la supérette à 8h53. Elles seront en retard de quelques minutes au collège. Elles prennent du soda, des cookies, des bons becs. Elles fouillent le fond des poches de leur jogging à la recherche de pièces en se déplaçant très lentement jusqu'à la caisse. Leur niveau de stress, c'est avoir des pièces, du sucre et des bulles. Elle arrive à la supérette à 9h02 et moins de 20 secondes plus tard, elle passe à la caisse avec deux poulets soldés pour cours de date limite du jour. Son niveau de stress, c'est de trouver du poulet à moins de 2 euros le kilo. Ils passent à la supérette à 10h59. Ils ont pas mal pleuré depuis 30 minutes dans son appartement à elle. Ils prennent des carottes râpées en barquette Bonduelle, du jambon Herta, le goût des choses simples et une baguette toute molle. Youpi, c'est pas la fête. Leur niveau de stress, ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent. Jean-Michel vise sa ligne d'arrivée imaginaire pour ses derniers coups de pédale. Il perçoit déjà son ventre moins gros, son corps plus musclé. C'est une vue de l'esprit. Il titube en descendant du vélo. Julien, fasciné d'avoir effectué les premières soudures de sa vie, il garde le fer à souder en main, il le serre fort, le brandit devant lui. Il pense à Raon. Francine devant un parterre d'incubateurs, prêt à financer sa plateforme web Vinicole. Elle pose son verre de rosé sur le congélateur et entame un long discours commençant par « I want to make the world a better place ».